Allô? Salut. Salut Carmen, comment ça va? Salut. Bien, bien. J'étais en train de t'appeler, c'est marrant, hein? Ah, c'est pour ça que ça sonnait occupé, alors? Oui, pour moi aussi, ça sonnait occupé. Tu veux qu'on dîne tous les deux ce soir? Oui. Oui? Bon, alors, on se verra ce soir. Oui, on se verra ce soir. Pour une coïncidence? C'est une coïncidence. Salut, toi. Salut, mon amour. Ça va? Comment ça va? Très bien. Je vais bien aussi. T'as envie de sortir ce soir? Oui. Mon papa nous prête sa super voiture. Ah, la super voiture de papa? J'ai hâte de la voir. Nico! Oh, t'as vu ce qui s'est passé? Y a un gros souci avec la fête de ce soir, si tu savais. Allô? Salut. Oui, comment tu vas? Parle! J'allais t'appeler d'ailleurs. Hey, tu vas bien? Bon, parfait. Allez, bisous. Attends. Ciao, ciao. Allô? Alors, t'es prêt? Attends. Chut. Non. Là, on est. Quoi, tous les deux? Oui. Ah, t'as pas. Non, pas. Attends. Ça va? Frérot, t'es le seul qui puisse m'aider. Qu'est-ce que tu fais là? C'est dingue. Salut. Je viens t'inviter à une fête que j'organise ce soir. Ah, j'étais au courant de rien. Ah oui, parce que on n'a pas voulu inviter les garçons du collège. Mais toi, on veut bien que tu viennes. C'est chez Anto que ça se fait. Tu viendras? C'est Antonella qui t'a demandé de m'inviter? Non. Non, mais elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas que tu viennes. Je sais ce qui se passe entre vous. Enfin, ce qui s'est passé. Parce qu'il se passe plus rien, non? Non. C'est tout à fait ça. D'accord. Ah, ok. Je passerai, peut-être. Ah. Peut-être. Ouais. Bien avec ton groupe? Ah ouais, ça se passe bien, je suis vraiment content et il y a une très très bonne ambiance. En tout cas, ça se voit. Ouais. Je veux dire que t'as l'air d'aller super bien. Ouais, ça va super. Mais ce n'est pas la seule raison. Je me sens bien quand je suis avec toi. Tu es belle, Catherine. Mais moi, je me sens pas belle, Alain, tu sais. Tu es d'une beauté. Excuse-moi, mais tu m'as traité d'idiote, là? Pardon, mais c'est sorti tout seul. Alain, tu ne comprends rien à rien. Et qu'est-ce que je ne saisis pas? Qu'en ce moment, il faut que je soutienne les divines. Mais c'est bon. Si tu ne m'aimes pas à cause de mes choix, dans ce cas... Rien du tout. Je t'aime. Beaucoup. Je t'aime. Comme ça, j'ai besoin de toi pour animer cette fête. Tu vas pas me laisser dans la panade. Franchement, je fais quoi? Je le sais, frérot, mais en ce moment, je sors avec Emma. On avait rendez-vous. Je peux pas. Mais toi, Emma, très jolie. Vous pouvez sortir un autre jour. Allez, non, mais tu vas pas m'abandonner. Il faut que tu me comprennes. Je me suis engagé, je lui ai donné ma parole qu'on sortirait. Mais pense un peu aux enfants qui attendent. Tu sais bien que c'est moi qui ouvre le spectacle. Et s'il n'y a plus le spectacle, comment je fais? Je serai pas payé, j'ai besoin de ce travail. En plus... Tu imagines la réaction des petits-enfants? Tu leur annonces tonton Fito et tonton Fito vient pas et... Non, c'est bon, allez-y, c'est bon, j'irai seul, très bien, mais... Qu'est-ce que je leur dis, alors?
Non, tu as raison, les pauvres enfants. Tu devrais l'aider. Va aider Fido. Nous, on peut bien sortir un autre soir. C'est vrai, mon amour? Bien sûr, qu'est-ce que tu Merci. Crois? Que je suis insensible? Tu es superbe. Merci, chérie, merci. De rien. Bon, il faut que Fido et moi, on aille se préparer pour la fête. Tu peux y aller, Emma, si tu veux. Nicolas doit encore se maquiller. Bien, voilà. Et moi aussi, d'ailleurs. Ne vous en faites pas, vous avez tout votre temps. Moi, finalement, je crois que je vais vous attendre ici. Tu es formidable. Je suis moche, là. C'est trop moche. Ça, c'est bien, et ça aussi, c'est bien. Mais l'ensemble, c'est vraiment affreux. Ah, mais c'est pas grave, on va seulement parler de Patricia. Ah, voilà, je pourrais y aller comme ça. Oh, je pourrais y aller en jogging. De toute façon, ça ne changerait rien. C'est pas important. Il se passera rien. Oui, allô? Salut, ma petite puce, comment ça va? Tu es sûre, tu ne veux pas que je t'accompagne à la radio? Hein? Oui, je vois, tu y vas déjà avec Inès, Pierre et Mathias, très bien. Tu n'as pas besoin de ta pauvre mère. Non, je dis ça en rigolant, chérie. Fais pas attention, c'est pas grave. Je te fais plein de bisous et je te souhaite bonne chance. Je t'aime très fort. Tout va bien se passer, profites-en, amuse-toi bien. Ciao, mon amour, je t'adore. Ciao. Non, toi, raccroche. Non, toi. Toi d'abord. Ciao. Je suis hideuse, pas vrai? Quel menteur, ce chien! Salut. Ce soir, il y a une fête qui s'organise chez Antonella. Hein? J'en savais rien. On n'a pas invité de garçon du collège. Ah? Mais... Oui? Mais si toi, t'as envie de venir... Mais toi, t'as envie que je vienne? Oui. Peut-être. Je verrai. Bon, ben alors... Je m'en vais. Bye. Ciao. 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 On a eu chaud, André, tu le sais. On a eu chaud. Et ça m'a éreinté, j'ai dû tout reprendre à zéro. Les vieux cours de l'acteur studio, la méthode Stanislavski, l'improvisation, si tout, je suis rincé. Tu penses à ça? Non, elle a tout avalé, ça va. Je t'en prie, il ne faut plus que Carmen te voie. Je crois que je vais arrêter de travailler à la station. Il vaut mieux que je quitte ce job. Non, c'est vraiment pas mon truc. Remplir les réservoirs des clients, les pare-brises à nettoyer, ça me plaît. Travailler là-dedans, ça doit être l'enfer. Mais si tu veux épouser Carmen, comment tu vas faire pour financer le mariage? Dieu pourvoira. Ouais. Tu peux arrêter d'aspirer cette paille? Oui, mais ça me calme. Vais aux toilettes. Oui, d'accord. Reviens. André? Frédéric? Allô? Un message pour André? De la part de qui? De la production de Danser avec les stars. Eh bien voilà, nous sommes enfin revenus à l'antenne et voici le moment le plus important. Et je sais que vous êtes pendu à votre poste de radio. Mon invité d'aujourd'hui est Juanes. Salut, comment ça va? Bienvenue dans notre émission. Bien. Comment allez-vous? Pas aussi en forme que vous, mais... Bien, merci, c'est gentil.